bah, c'est tous les samedis, donc vous allez inviter hein, à contacter à nous au 02 62 47 82 04 ou bien sur la page Facebook de Radio Salaz si tu veux donc participer à l'émission de la viande du samedi matin. Alors, dans notre émission Gadium, ce matin, nous reçoivent Lénaïs et Dani. Dani. Alors, Dani, c'est le manager, si je ne me trompe pas. Manager et mari de Lénaïs. Et ben voilà, enchanté. Enchanté. Alors, ben, nous l'avons découvert un petit peu, c'est qui Lénaïs. Nous raconte d'abord avec honneur à la dame, bien sûr. Ouais, hein? Alors, déjà, ben, qui ça voulait? Ben, moi, déjà, je sors à Chaloupe-Saint-Leu. Mm-hmm. Donc maintenant, il fait déjà 7 ans que j'habite sur Saint-Louis. Bon, après, on me rencontre au mari d'Annie. C'est là qu'il y a mon semblant de musique, au fait. D'accord, donc c'est déjà donné aussi ton envie de chanter. Non, on avait déjà l'envie, mais pas les moyens. Ah. Faut dire merci, chérie, alors. Voilà, heureusement. Et depuis quand tu étais petit, là, la famille, t'es dans la musique aussi ou pas? Non. Non. Donc, là. Donc, au fait, j'aimais beaucoup écouter la musique, danser, chanter. Je faisais beaucoup les karaokés, tout ça. Et puis, dans ma tête, mon rêve, c'était, voilà, il faut un de ces jours que je chante mes chansons, que je fais des scènes, des clips, après tout ce qui suit, quoi. Rappelle à nous depuis quand je chante. Depuis ma lance à moi officiellement depuis 2014. Depuis 2014. Depuis mai 2014. Et en plus elle l'a retenue. Oui, elle est mariée ça. Mariée à lui. Oui. Et puis bien sûr donc le mari donc le manager. Hein. Ouais. Donc alors outre là où c'est quoi? Nous connaissez quoi? Mais allez c'est quoi? Voilà donc moi c'est Dani, manager de plusieurs artistes. Mm-hmm. Également, pas que vous pouvez citer d'ailleurs. De Lénaïs, manager de Lénaïs, Tessa, aussi de Lorden, Mitrix, plusieurs artistes encore, donc une liste assez longue quand même. Est-ce que c'est facile justement d'être manager de plusieurs artistes comme ça, pour gérer? Franchement, c'est pas facile parce qu'en fait, après, quand on a des scènes, les organisateurs vous demandent que. Voilà, écoute, Dani, je veux juste deux artistes parmi de tous tes artistes. Il faut que tu choisisses deux. C'est le choix évident, est hein. Difficile et c'est pas évident. Après, bon, prioritaire aux femmes. Donc, dans le groupe de management, on a plus de mecs que de femmes. Donc, on a que deux femmes. Les Naïs, oh, bah c'est ça. Va. Oui, ça va. Donc, voilà, on privilège toujours ces deux artistes féminines. Mm-hmm. Et puis, c'est plus Sega aussi. Voilà, après, c'est plus le côté Sega. Et ce que j'ai, c'est plus le côté artiste dancehall, raga, reggae, donc plusieurs styles musicaux. Donc les organisateurs, bien souvent, ils demandent plutôt le Sega, là. Voilà, un peu plus souvent, c'est plus au Sega, parce que bon, après, maintenant, on voit partout où on va, le Sega évolue. Mm-hmm. Donc, comme on dit, on n'est pas une nation. Donc, voilà, après, éventuellement, le Sega évolue. C'est que c'est Sega, Sega, Sega. Mais après, si certains organisateurs, quand ils ont besoin d'artistes dancehall ou autre, ben, j'ai ces artistes-là sous la main quand ils en ont besoin. Et il fait longtemps que vous faites ce métier-là? Ben, déjà, est-ce que c'est vous vivez de ça ou bien vous faites autre chose à côté? Non, je vis pas de ça. En fait, en tant que manager, en fait, je vis pas de ça parce qu'on peut pas vivre de ça parce mm-hmm. que bon, après pour vivre vraiment de ça, il faut vraiment évoluer dans le milieu. Moi, je débute, je commence à me faire un nom, une place dans le milieu, donc assez connu quand même. Donc au sein de la télévision et de la radio, ancien animateur de radio et aussi voilà, on a passé sur plusieurs chaînes TV mm-hmm. pour la promo de plusieurs albums et plusieurs artistes. Et sur le côté, je bosse, hein, j'ai un travail normal comme tout le monde. Et puis une micro-entreprise d'animation en fait, voilà. Alors, nous reviens donc à Lénaïs. On a un album ou bien on est sur une compil? un album, donc L'Amour Créole avait sorti en octobre 2015. Mm-hmm.
Ouais, et... respire moi beaucoup. Hein. Bah justement, quand il fait que bah, par exemple, nous, en tant que radio, nous reçoit pas. Ben, j'ai un radio salage, j'ai loin. J'ai dû la monter justement. Et puis maintenant, on amène un petit album pour vous autres quand même. Ah. Faut pas dire que tu ressors pas. Ah, monte bien aux gens justement. Voilà. L'album Le Naïs. L'album L'amour voilà. Créole, voilà. La Mythique, Sega, Zouk. Mais il y a plus Zouk que Sega. Parce qu'au début, on avait commencé avec le Zouk. Donc, bon, ça c'est pour Radio Salaz, hein, dommage. Super. Voilà. Pour ça, on peut trouver ça, si quelqu'un, justement, il voudrait acheter. Ben là, il reste ben, seulement au magasin de Saint-Louis, chez Orquelon. Il reste 5 ou 6, mais c'est tout. Et il y en a beaucoup. Vous êtes-y pour se refaire ou pas? Ben là, en préparation, ben, mon deuxième album. Cette fois-ci, on aura plus Sega que Zouk. D'accord. Donc, ce sera plutôt pour fin d'année. Alors, pour revenir à l'album-là, on a quand même 8 titres dessus. C'est quoi les thèmes que vous traitez le plus? L'amour? Oui, l'amour. Ouais. Pourquoi c'est... amoureuse? Ben oui, bon, en fait, ben, au début, comme je viens dans la musique, ben, chaque fois, ben, ce que tu viens à moi, l'idée, ben, c'était voilà, un petit texte sur mon chéri, pour mon mari. Mais pareil, m'a tellement dit, m'a trop dit que maintenant, pas bien plus. Donc là, depuis que Mala fait ses gars, ben, elle n'a rien qu'un seul titre que vraiment que elle est dédiée à lui, elle appelle Mi Veut Diaou, puis il vient de sortir là. C'est pas le même que sur l'album. Sur l'album, c'était. Ben, d'ailleurs, ce que nous fait, nous va écouter aller en fond musical, hein, en attendant qu'on cause. Voilà. Donc, Mi Veut Diaou, ben, sur l'album, c'était l'ancienne version. Là, la nouvelle version qui vient de sortir là, en ce moment, que les radios y tournent. C'est comment quoi, c'est Olivier Bric qui l'a composé. Nous fait un petit clin d'œil. Oui, lui aussi. Donc voilà, elle est plus cadencée. Je sais pas, elle a un petit plus de temps quoi. L'était dur justement de faire cet album là. Comme t'es le premier, non. Quand c'est le premier, on est tellement pressé, là on est à fond, là on voit depuis qu'il pète, qu'il gagne, ça fait que l'album là, donc on voit pas qu'il pète, qu'il gagne, tout ça fait. Toute chanson là écrite depuis au début jusqu'à la fin, on peut mettre tout dessus. Bon, ma là avec 15, ma mère n'y a que 8. Donc là, il était prévu qu'avec les restes, que j'ai fait mon deuxième album. Mais après, avec le temps, il évolue, tout ça. On a encore d'autres trucs. Et moi, je pense que comme elle a encore beaucoup de choses à dire, elle a fait des cours le public. Donc sur mon deuxième album, là, mais en pleine préparation, il prend plus le temps. Où ça enregistre là? Où ça enregistre? Donc là, on enregistre avec DJ Sanjiva. Donc, c'est du côté de Saint-Louis. Voilà, non, les temps salés. Salé. Donc, lui aussi était chanteur auparavant, toujours, mais lui, il prend plus le temps que moi. Il prend encore plus le temps que moi pour lui faire. Voilà. Mais on revient donc à cet album-là, il est très joli. Hein. Mais on ne parle pas que de l'amour, là, s'il y en a aussi Maloki. Ça, c'est le côté obscur. Ça, c'est quand tu trouves puis l'amour, oui. Elle trouve puis les mots. On a fait, elle a tombé sur Maloki tout d'un coup, elle inspire à moi. Justement, c'est vous qui écrit toute bonne tête. Oui, mais écrit tout. Ben, en fin de compte. Beaucoup de personnes y reconnaissent à nous aussi, parce que j'avais pas fait l'émission L'amour est doux en octobre 2015. Donc par rapport à ça, ben, après en fin de compte, j'avais eu des petits problèmes dans ma vie, dans notre vie, tout ça. Mais là maintenant, au fur et à mesure que ben, a des choses sur le cœur, ben, m'écrit. Ben, Maloki, justement, ben, faut écouter. Faut écouter. Il va expliquer ça tout dedans. Il va bien comprendre. Alors, qui ça a participé sur cet album-là en tant que musicien? En tant que musicien, ben, il y avait déjà Olivier Brie. Ensuite, il y avait Hakim Prod qui avait fait Mi Veut Diaou, la première version. Et puis aussi, il y a DJ Sanjiva et J.O.S. Prod. Donc, voilà. Quand on est chez vous, vous écoutez que le Nice ou bien vous écoutez autre chose? Non, on n'écoute pas. Vous écoutez que écoute mes chansons, on écoute seulement quand on connaît à soi, mon prestation. Là, il ne faut pas y rater. Bah oui. Donc là, on écoute en boucle. Et après, il me dit, oui, ben, là, vous pouvez faire ça. Mais sinon, ça, on écoute plutôt du zouk, un peu de rap aussi, on écoute souvent. Vous ne direz pas, là. Fait partie de ma vie. Je veux dire aussi que moi elle est pas bien, que moi elle est bien tout le temps quand elle écoute la musique. Au fait, va trouver bizarre que moi elle est triste, que moi elle est en colère. Ben, vaut mieux que j'écoute la musique comme ça reste devant de moi. Ça, c'est sûr.
Si vous n'étiez pas une chanteuse, est-ce qu'on aurait une autre passion? Bah, on aurait travaillé avec les enfants au centre de loisirs, que m'y fait toujours justement. Mais à travailler avec les enfants, en fin de compte, m'y a fait des scandales. Tout simplement. Donc, quand on est qu'un groupe normal, en tant qu'animatrice, ben, on est là avec Zot. Moi, je suis animatrice, mais avec Zot, c'est vraiment plutôt comme une amie. Oui. Moi, je suis là, mais je comprends Zot, mais je joue avec Zot. Je suis dans les mêmes délires, mais en restant professionnelle. Et quand vous écrivez une chanson, par exemple, parce que là, maintenant que donc, vous l'avez écrit, est-ce que ben, vous faites écouter à lui avant, enfin, ou demandez à lui conseil plutôt? Ben, en fait, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il est le premier à écouter, c'est le premier à donner son avis. Ouais. Et il arrive que des fois, tu n'entends pas sur telle ou telle phrase. Ben, en fait, parfois, il fait exprès de faire n'importe quoi. En fait, elle m'entend, hein, il fait exprès. Hein. Il me demande, Dani, alors comment on trouve les bons? Oui, super, oui, très, ah, les bons, rien à dire. Pour rien, chacun, non, les bons, on connaît tout ce que les bons. Il me dit, ben, les bons, alors. Il ne remarque pas qu'on fait compte. En fait, vous livrez tellement, on fait plaisir à moi, à faire, mais ouais. Parfois, mais c'est Dani, mais parfois, comme il fait un cafouillage, je ne peux pas hésiter aussi. Bien sûr. Mais tu m'as dit, ça maintenant, là, ouf, ouf. Est-ce qu'il est facile, allez, de Dani, est-ce qu'il est facile de manager une madame? Parce que là, c'est quelqu'un qui fait partie de notre vie, de A à Z. Ouais. Est-ce qu'il est facile ou le moins facile que quand c'est une étrangère, on va dire? Non, mais après, nous, le truc, c'est que nous, on mélange pas vie de famille, vie de couple et vie d'artiste, en fait. La vie d'artiste, c'est autre chose, et vie de famille, c'est vie de famille. Ça arrive que, parfois, on peut avoir des petits dérapages en mélangeant les deux, mais après, on se rattrape toujours. C'est vrai, des fois, ça arrive qu'elle fait un titre, elle commence à écrire une chanson, à faire une chanson. Des fois, je suis occupé, je dis, ouais, ben écoute, j'ai pas envie d'écouter là pour le moment, j'écouterai plus tard. Après, le plus tard, c'est jamais. Donc, après, on s'embrouille un petit peu. Mais après, je veux dire que voilà, ça arrive, on s'embrouille, certes. Mais après, facile, oui, ça va, tranquille, il n'y a pas de souci de ce côté-là, en fait. Et toujours sur facile, est-ce qu'il est facile de trouver des scènes à notre époque? Franchement, non. J'ai déjà. Si, il est facile à trouver, mais payant, non. Donc, attends, je voulais. T'as pas trop changé alors? Non, on est toujours dans le même cadence. Justement, je voulais venir sur le contexte. Donc, le truc, c'est que, en fait, c'est dur de trouver des scènes payantes, comme je disais, comme les scènes bénévoles. Même parfois, les scènes bénévoles, c'est un peu dur parce que. Bon, on tombe sur des scènes bénévoles, on voudrait passer bénévolement, mais on a toujours du style, on a déjà pris tel artiste. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que je veux annoncer et dire à tout le monde, comme j'ai dit à la télé et aussi au niveau des radios, que à l'heure d'aujourd'hui, il faut arrêter de privilégier toujours les mêmes artistes. Donc, je ne citerai pas le nom. Et éventuellement, il faut faire évoluer tous les artistes à La Réunion. Il y a des potentiels, il y a des artistes qui sont vraiment là pour foutre le bordel, foutre le faya, musicalement parlant. Donc voilà, après, il faut arrêter, il faut faire passer tout le monde, donner chacun sa chance de monter sur scène, de montrer que... voilà, mon style de musique, c'est comme si, c'est comme ça. Voilà, après, pour trouver les scènes bénévoles, bon, certes, c'est facile de trouver les scènes bénévoles. Oui, tout le monde vous accepte. Ah, ok, il n'y a pas de souci, tu mets 3-4 artistes dessus. Ah, ils sont contents, même pour les concerts et autres. Mais derrière, quand tu fais une scène bénévole, et après, quand tu vois un artiste phare, une tête d'affiche, on va dire, qui arrive juste derrière toi, et qui touche au moins allez, une fourchette entre 800 et voire même plus pour deux titres, et toi t'es venu là bénévolement, tu fais quatre titres, voilà quoi, même pas un verre d'eau pour te remercier. Donc après voilà, il faut arrêter avec tout ça, il faut évoluer à l'heure d'aujourd'hui, et aussi donc voilà, de gérer les artistes. Après, il ne faut pas rester là pour dire, ben écoute, j'organise tel plateau, ben tel artiste ne veut pas venir, tel... Ben, faut comprendre, il faut se mettre dans la tête pourquoi. Donc voilà, après même les scènes bénévoles, hein, les scènes payantes, pareil, très très dur de nos jours de trouver des scènes payantes, sauf si on organise des scènes par soi-même, qui n'est pas éventuellement évident.
que moi-même je suis en train de me lancer dans l'événement en fait. Voilà. Alors, c'est pas pour maintenant, mon projet. On a un projet très prochainement, ouais. Donc du côté de Saint-Louis, dans une salle pour un après-midi dansante. C'est la première, enfin c'est une première pour nous au niveau de l'organisation. Voilà, c'est un après-midi où on va foutre le bordel avec plusieurs artistes qui répondent présent. En espérant que Timarc aussi sera là. Hein. Voilà, avec son titre Ali Ali. Et puis après, nous, on récolte des fonds pour organiser justement plusieurs autres scènes où on récoltera des fonds. Et grâce aux artistes qui nous ont aidés à récolter ces fonds-là, éventuellement, il y aura une grande scène après, par la suite, où ils auront tous leur cachet. Même les jeunes talents, les jeunes artistes à qui nous on donne leur chance de chanter auront aussi leur premier cachet, leur première scène. Bien ça. Voilà. Merci beaucoup Dani. On arrive à la fin de notre interview. Annalise, est-ce que vous avez un clip? Oui, 4. On a 4 clips. 4 clips. Oh, t'es baba. On sait que ça va pour moi, ça va. Ben, sur YouTube, alors il y en a Help Me, Zou, Trahison aussi, c'est un Zou. Mm-hmm. Ensuite, N'a pas d'un amour, c'est le premier Sega que m'avait fait. Mm-hmm. Et là, le dernier que m'a fait, là, c'est Maloki. Et bientôt, nous tournons le clip Jusqu'à l'aube, le featuring avec Lorden. D'accord. Donc, après, là encore, le clip Mi Vezia Ou, il va tourner le mois prochain. Ok. Donc, voilà. Et si les gens veulent contacter à vous pour discuter, il y a une possibilité ou pas sur page Facebook? La page Facebook, c'est Les Naïs Chanteuses. Mm-hmm. Et puis, il y a une page Les Naïs Officielles. Ou sinon, tu peux appeler au numéro de Dani, 06 93 30 39 00. Voilà, donc tout ce qui concerne scène, c'est monsieur. Voilà. Et puis aussi, je tiens à m'excuser auprès de Radio Salaz pour mes artistes qui n'ont pas pu venir. Donc, l'ordre était ça. Donc, voilà. Mais déjà, merci à vous deux. Big up. Et un big up à eux quand même. Hein. Oui, alors, les Naïs, nous allons terminer avec vous. Mais posons 10 petites questions et c'est sur ces notes-là que nous allons terminer. Alors, si on était un bon repas. Saucisse poulet aux olives. Ou cuisine ou pas. Ou cuisine des fois, mais c'est monsieur. C'est tout ce que Mingaï fait cuisiner. Alors, imagine qu'il fait la cuisine. C'est monsieur. Elle est bonne avec lui manger. Ah, on préfère. Bah, moi aussi, je pense que les messieurs, ils cuisinent avec nous des fois. C'est vrai. Enfin, là, elle ne mettra pas dedans, mais la mienne, là-bas, dans mon boucle, là-bas, ma cuisine pile. Si on était un fruit. Un fruit. Une fraise. Oh, pourquoi? Je sais pas, la couleur rouge, les doux. Les doux, oh. Les doux, les doux, voilà. Les doux. Si vous voulez une matière scolaire. Matière scolaire, la musique. Si vous voulez une fleur. Une fleur. C'est une bonne question, ça nous bat ça. Une fleur et un anthurium. Ouh, et monsieur, si elle devait être une fleur, vous choisirez quoi comme fleur? Une rose rouge. Oh, tu es trop mignon. Arrêtez de vous les dire. Non, la papesse, ça fait ça. Alors, si c'était une émotion. Une émotion. On peut être tristesse, amour, enfin plein de choses. Un smiley. Déterminé. Si c'était une île. Une île. Seychelles. Seychelles, pourquoi? Bah déjà parce qu'on m'a jamais allé. Je voudrais bien découvrir. Dani, quoi faire? Alors là, on l'a compris. Oui, Seychelles, oui. Prochain voyage. Économise, maintenant Seychelles. Alors la Réunion, il ne faut pas connaître la Réunion. On est sur le côté de la Hausse. Vous connaissez la Hausse? Non, mais vous voulez. Mais souvent, on ne connaît pas tout l'endroit. Mais attends, quelqu'un invite à tout chanter là-haut. Ah, ben voilà. Non, c'est un appel là. Si vous étiez un mois de l'année. Le mois de décembre. Pourquoi? Ben, c'est le mois de fête. Ah. C'est le mois où ben, elle a tout fait. Et puis surtout, il y a quelque chose qui porte vraiment encore au mois de décembre, c'est le Téléthon. D'accord. Donc, c'est pour ça. Oui. Si vous étiez une planète. Dis-moi, c'est déjà une planète. Ce sera Mars. Mars. Si vous étiez un animal. Un animal. Un animal. Monsieur. Un oiseau.
Ah bah j'aurais dû prendre Dani. Si elle était un animal, elle serait quoi? Un jument. Pas besoin de midi, mais ça te va. Et le Camille, si elle était un bonbon, ah non, maman de monsieur d'abord. Si elle était un bonbon, est-ce qu'elle serait un bonbon sucré ou salé? Entre les deux. Entre les deux Comme dit moi, maman. Mais comment? Le Naïs, vous serez quoi au plus quoi? Je pense que plus salé, hein. Plus salé. Bah, on m'a bien fait mon petit bonbon, ta marraine. Hein. Je l'adore. Nous finis là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à vous pour votre retour. À bientôt. Bouge pas. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré. C'est quoi ton prénom? Bravo! C'est quoi son prénom? Moïna. Moïna, Moïna. Moïna fait coucou. Tu es belle. Coucou. Quel âge tu as, Moïna? 3 ans. Tu as 3 ans. Grande.